Ok, alors, là, il faut qu'on fasse le deck maintenant. Ok, chat. Aidez-moi à faire le deck. Donc, nouveau groupe. On va appeler ça... On va appeler ça la God Squad, d'accord? Donc, Diablo, vous me dites c'est la meilleure carte du jeu, d'accord? Il me faut un tank. Je dois mettre lui parce qu'il est monté, non? Kern, tu me dis c'est bien. Il tank, Kern? Il tank ou pas? Je peux améliorer mes cartes? Création? Quoi? Ça veut dire quoi, création? Je peux créer une carte. Mais pourquoi je ferais ça? Faut XP des cartes. Créer les manquantes, mais je m'en bats les couilles. Clique droit sur une carte pour up les comps. Oui, je sais, deux minutes en fait. Regarde, c'est ça que tu veux que je fasse. C'est ça. Mais laisse-moi déjà choisir la carte, non? Est-ce qu'on peut déjà choisir les cartes avant d'améliorer les cartes? Et je comprends pas votre putain de logique là. Tu peux crafter les héros que tu n'as pas, c'est tout. Je m'en bats les couilles! Tu peux améliorer tes cartes avec des pièces dans création. Ça fait quoi? Ça le monte de level ou ça le fait passer sur un autre palier, je sais pas quoi? Est-ce que je peux choisir les cartes avant de les améliorer? Je comprends pas votre putain de logique. Aidez-moi à choisir les cartes. Donc Diablo, Kern, vous m'avez dit, c'est les plus OP. Ok, une compo sympa en ce moment en PVP. Je m'en fous du PVP. Kern, Crush, Diablo, Rexar, Vol'jin, Mekla. Ok, je mets Xyrelia. Je mets pas genre un autre là? Je mets pas Velen? Inflige 4 points de dégâts, rend 2 PV à vos personnages. Oh, mais c'est OP! Améliore-les tous et choisis comme ça. Mais t'as cru que j'étais multimilliardaire? Je peux les améliorer tous? Mes cartes? Qui est donc un Diablo? Lich, Tavish, Varden. Tu as besoin du premier. Les équipements augmentent la puissance de vos capacités, votre mercenaire. Vous obtiendrez l'équipement en atteignant le niveau 30. Ah, si j'améliore le truc. Non, attends, je comprends rien. Donc j'ai besoin de Xyrela. Ok. Xyrela. Quoi d'autre? J'améliore ça. Oh, 5 points de dégâts et moins 4 d'attaque, mais c'est OP sa mère. Les pièces, c'est lié à Xyrela, on est d'accord?
Elle a que 3 attaques. Après ça, ça va demander des pièces, ça ou pas? Oh! Attendez les gars, je peux vraiment genre... J'améliore ça encore? 9 points de dégâts, plus 1 de dégâts chaque fois que vous rendez. Gecko ou j'améliore au max? C'est combien après? 9 points de dégâts et moins 7. En vrai, là je pense que 8 de dégâts, c'est OP sa mère. Vraiment, c'est OP sa mère. J'améliore son rapide? Ou Gecko? Ok, Diablo. Inflige 2 points de dégâts à tous les adversaires. Apocalypse. Choisissez un adversaire, tous les rôles lui infligent des dégâts critiques pendant le tour. Lui inflige 4 points de dégâts de feu. 4 points de dégâts. Gecko ou j'améliore choc infernal? Diablo Gecko? Diablo Gecko? Fais venir un mec en vocal. Ok, vas-y. Il me faut un pro en vocal s'il vous plaît. Je suis dans le général, je suis dans le général. Je veux des milliers d'heures de jeu, hein. Je veux des milliers d'heures de jeu. Combien d'heures? Combien d'heures? Long, vraiment beaucoup, beaucoup. Combien d'heures? C'est quoi ton rank? Environ 50. 50 heures? Ouais, c'est pas beaucoup, mais sur le jeu, en vrai, ça va, c'est assez pour connaître toutes les compos. Combien d'heures les autres? Je sais pas, j'ai pas arrêté de jouer depuis le début de l'extension. Ok. T'es quel rank? Comment ça? Pour le PVP? Ouais. Ouais, c'est que le PVP les ranks. Pour l'instant, je fais que farmer. Quel rank? Ouais, quel rank? Il faut des ranks! Je veux des pros là! 50 heures, c'est des. c'est noobs! Mais 50 heures, c'est rien. Moi, je joue depuis 2014, mais j'ai arrêté pendant un bon moment. Ça compte pas. Non mais j'ai depuis 2018 mec. Tu veux quel ladder? Tu veux le ladder sur le tu veux le ladder normal ou tu veux le ladder mercenaire? Le ladder normal, t'as combien d'heures sur le ladder normal? Je suis légende. T'es légende? Ouais, j'étais légende. T'as combien d'heures? J'en sais rien, t'as vu le nombre d'heures que je passe dessus moi? Je sais pas, j'ai pas vu, non je vois pas non les nombres d'heures que tu passes dessus. Je n'ai jamais arrêté de jouer ça. En fait le clear pendant le farm, on regarde des streams, on fait que farm, on fait que ça. Ok, attends, t'as combien d'heures toi? Je compte plus le nombre d'heures. Bah, je compte pas. Je t'as 50 pas heures, mec! Tu non, comptes mais pas, mais t'as 50 heures. Ok, j'en ai pris deux. Comme ça, il y a peut-être un clash qui va se former. Bonsoir, messieurs. Merci d'être venus m'aider. Alors, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Attends, déjà, question pour Moudal. Qu'est-ce que j'améliore sur Diablo? J'ai 204 points et il est niveau 5. Moi j'augmenterai choc infernal. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Vous êtes en d'accord fait, les trois premiers spells que t'as là, dès que tu les débloqueras, tu peux les monter les trois niveau 3. Ce sera très bien, c'est très très bien pour t'es commencer. T'es d'accord? T'es d'accord? Ouais. Vous êtes d'accord, vous êtes tous d'accord? Ouais. Et le premier il sert? Mais j'augmenterai, le premier en vrai, il... Comment te dire? Tu vois, regarde tes deux sorts d'après, il te demande un tour de chargement avant de pouvoir le lancer. Donc en fait la charge funeste... Pour moi, je l'augmenterai pas, tu vois. Ouais, non, franchement, améliore le choc infernal. C'est donc deux fois, là, j'ai deux fois le choc infernal, on est d'accord? Ouais, là, tu vas faire des gros dégâts, c'est... Ok. Inflige 4 points de dégâts à tous les adversaires, recommence pour chaque adversaire qui n'a pas encore agi. Ok, là je peux plus rien faire sur Diablo, on est d'accord. C'est quoi le truc création là? Je comprends rien là. Création, c'est juste pour prendre une carte que je n'ai pas, c'est ça, on est d'accord? Oui, c'est juste pour créer une nouvelle carte. Ok, non, mais vraiment, ce chat de debater. Ok, alors là j'ai Diablo, j'ai Kern, Xyrella, Kariel.
Il n'y a pas vraiment de combo entre eux, mais ce sont tous des bons persos. Ouais, ce sont tous des bons persos, c'est des personnages de base. Moi, Cariel, si tu veux un conseil, je te conseille d'augmenter le taunt pour qu'il dure le plus longtemps possible. Bah, Cariel, là, j'ai 545 points hein, sur Cariel, là, frérot. Ah bah, vas-y, mets tout sur le taunt. Hein. Là, je mets tout. Ouais, je peux mettre tout. Mais attends. Et Kern. Attends, Kern, on le fait après. En fait, Kern, faut que tu l'augmentes au minimum niveau 5 pour augmenter sa deuxième capacité. En tout cas, de mon point de vue. Ok. Donc là, provocation, mec, je fais monter au max. Je m'en bats les couilles du reste. Ah oui, vas-y, ouais, tu spam. Je m'en bats les couilles du reste. Oui, ouais. elle est juste là pour tout tank. C'est ça. Et de toute façon... Les gars, est-ce que vous êtes au courant que je suis niveau 6 et le bordel, il va me rendre tellement de PV, genre... 3 tours, ça dure. Oui, ça dure 3 tours. Donc je peux frapper en fait et je garde le taunt, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est ça. Mais donc de toute façon, tu vas, niveau max. Gel, tu vas augmenter ton attaque en dernier parce que tu vas d'abord augmenter le saut de lumière. Et le 4... Ouais. Ok, d'accord, j'attends d'avoir le 4. Ouais. C'est ça. Et là maintenant, j'ai quoi? Ok, vas-y. Augmente ce que t'as fait le premier stage. Xirella, je peux encore augmenter des trucs. J'attends expiation ou j'augmente des trucs? Non, expiation c'est de la merde, ça franchement. Donc c'est que le premier? Ça sert à rien. Le soin rapide, tu vas pas l'augmenter, je pense. Ok. Non, c'est que le premier. Le premier est vraiment OP parce qu'enlever de l'attaque, du coup, quand eux vont attaquer, surtout quand c'est des rouges, Xirella est très très forte contre les rouges parce qu'elle leur inflige des dégâts critiques et leur enlève les dégâts. Et eux font que des dégâts corps à corps. C'est ça. Mais la majorité des bleus, c'est aussi des lanceurs de sort. Ok. Kern, maintenant, j'augmente la... J'ai 330 points, j'augmente le premier ou j'attends les autres? Perso, je conseille d'attendre. Franchement, les autres sont plus intéressants. Donc le deuxième, c'est gagne provocation pendant un tour où les personnages sont plus rapides pendant ce tour. Ouais, mais ça, c'est ton backup si Karel est morte. Ah ouais? C'est ça. Ouais. Tu le gardes sur le côté et hop, quand ta tank est morte, tu ressors ton nouveau tank. Ouais, mais il l'a même pas l'endurance, donc il faut que je le monte niveau 5. Donc là, je le garde dans mon deck et je le laisse à FK et il montera tout seul, c'est ça? Ouais, il montre tout seul. C'est ça. Ok, donc là, en gros, il me faut un deck de 3 personnes que je vais, utiliser tout le temps et 3 personnes que je vais up. On est d'accord, c'est ça. Exactement. Mais le but, c'est que tu puisses switcher entre les... Alors, qui d'autre, là, les gars? Samuro. Pour moi, Samuro. Must have. Samuro OP, ouais. C'est où? Un vert. Combattant. Il est où? Encore à gauche. Encore à gauche. Il ressemble à quoi? C'est un samouraï orc. C'est première page. Je l'ai. Maître l'âme samouraï, c'est légendaire? Non, c'est une carte qu'on te donne. Et lui, il est bien? Ouais. Il est vraiment OP. Très très gros combo avec Xirella. Il est partout. Ah, il est partout, ouais, vraiment. Okay, Xirella donc... et Samuro, ils sont partout. Et donc là, j'ai. Et Diablo. Donc là, j'ai deux verts, deux rouges et une bleue. Je mets quoi en dernier maintenant? Tu vas mettre un bleu de préférence, je pense. Ouais, bleu ce serait mieux, franchement. Pour avoir un deck équilibré. Et moi j'aurais. Alors tu vas pas mettre Uther parce qu'il te faut. Il est dans une combo non, sacrée. Ouais, pas besoin. J'ai Vélène. Tu peux mettre Anduin. Mais on m'a dit qu'il était pourri. Anduin est ok. Anduin, mais, okay. Ouais, mais pourquoi pas Vélène? Et pourquoi pas Vélène? Alors Vélène, il joue aussi dans la combo sacrée. Dans la combo sacrée bleue. Et justement, le combo c'est Vélène, Anduin, Xirelia, Uther. En fait, vraiment donc là, le meilleur que je peux mettre maintenant, c'est Anduin Urine. C'est ça. C'est ça. Donc là, je mets Anduin Urine. C'est ça. Chat, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Je comprends pas les couilles, soit d'accord, c'est la vérité. Ouais, mais attends, ils ont le droit à la parole. Excuse-moi, quand je vois un mec dans le chat qui dit « T'as jamais joué de ta vie ?» C'est un peu mal, hein. Non, t'inquiète, ça c'est le chat. Hein. Ok, et j'ai 381. Est-ce que j'augmente Anduin Ruine? Est-ce que j'augmente le premier? Oui, vas-y. Tu vas attendre qu'il soit niveau 5 de mémoire et tu vas prendre Aouli Nova. Ouais, Nova sacré. Donc la première, je m'en bats les couilles. Ouais, c'est le deuxième. Samuro, j'attends aussi, j'ai 532 points. Non, Samuro utilise. Utilise sur son premier sort. Je balance tout dans le premier? Ouais, ouais, et après t'économises à mort pour l'équipement lame ardente, de mémoire.
Faudra peut-être lui expliquer pour l'équipement. Donc là, la double frappe, je la monte au max. Parce que là, je peux le faire. Hein. Ouais. Vas-y. Je peux monter au max. Vous êtes d'accord, hein. Tout le monde est d'accord? Ça, vous êtes d'accord ou ils ont jamais joué de leur vie? Chat, ils viennent, Guerre du Nord, j'arrive. Hein. Ok, on va pas parler de violence quand même. Alors, je vais quand même le lire. Si celui-ci a déjà subi des dégâts pendant ce tour, gagne plus 3 d'attaque et attaque à nouveau. Ouh, c'est bien. En ça. Fait, la combo, c'est tu fais d'abord avec Zirella ton sort qui est vitesse 3, qui enlève l'attaque à l'ennemi et qui lui fait des dégâts. Puis après, tu le frappes avec Samuro qui va du coup lui frapper deux fois, car l'ennemi aura déjà subi des dégâts avec Zirella. Et en plus, vu que l'ennemi aura perdu l'attaque... Mec, viens, je suis un homme pratique. Viens, tu me répètes ça quand je suis. Viens, tu me répètes ça quand je suis en pratique. Ok, vous êtes d'accord avec mon deck là? Ouais, ton deck est t'imagines là, je lance une game, je me fais lâcher. Mais sans deux boosters, mais c'est énorme. C'est énorme. Ah, c'est fou. Ok, attends, je regarde si on a tout up. Il y a Kern. Bon bah lui en écho, on a dit. Je prends pas Ragnaros tout ça, non? C'est nul tout ça. Ouais, bah, combo feu. C'est avec une combo, c'est ouais, c'est que des combos. Je joue avec Armageddon, Anthony Das et avec Diablo. Exactement. Attendez, j'ai le réflexe de rouvrir la boutique. Ok. donc là, je voyage. Un bon réflexe, hashtag ad. Là, je choisis Etharid. Et là, je fais niveau 6, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, restez avec moi, essayez de pas être intrusif, ok? Restez avec moi, les gars. Apparemment, t'as un cerveau. Hein. Apparemment. Alors, voir le groupe. Ils ont que du rouge. Non mais là on s'en fout parce que on a fait un deck équilibré. Mais si tu vas affronter que du rouge dans tous les cas, tu vas plutôt, tu vas mettre un maximum de bleu. Et encore, le fait que t'aies la pastille rouge, ça veut pas dire que toute l'équipe en face sera forcément rouge. Ah ouais? Exactement. Ça veut dire qu'il y a au minimum un personnage rouge en face. Ok. Des fois, il t'indique un personnage rouge, mais il peut y avoir un. Donc rouge, tu t'en bats les couilles en fait. Tu t'en bats les couilles du chemin en fait. Droite ou gauche, tu t'en fous en fait. Non. En vrai, tu t'en bats pas les couilles parce que le fait que tu peux t'assurer qu'une carte soit au minimum rouge, ça veut dire que tu vas t'assurer une carte de ton côté. Par exemple, t'as des bonus aussi sur le chemin. Genre par exemple là, l'icône à gauche, ouais. Faveur protecteur. Je prends tout, ça. Tous tes protecteurs. Bah, tes protecteurs gagneront un bonus, mais les protecteurs ennemis aussi. Ouais, mais du coup, moi le bonus, je vais le garder jusqu'au boss. Oui, tu le gardes jusqu'au boss. Ok, donc là, c'est plus avantageux d'aller à gauche alors là. Bah, regarde le boss. Non, en fait, tu peux voir le type du boss aussi. Il est bleu. S'il est roux. Voilà, s'il est bleu, il gagnera pas le passif protecteur et toi, tu l'auras. Donc, ouais, c'est mieux que tu prennes en soi. Mais le boss, il est bleu, mais qui te dit qu'il a pas un rouge avec lui? Exactement. Du coup. Il en a pas, je te dis d'avance, il en a pas. Ouais, spoiler. Mais du coup, je vais à gauche. Oui, il va à gauche. Ok, ça j'aime bien. Ok, c'est parti les gars. La première squad incroyablement buffée. J'ai fini le tuto là, on est d'accord hein. Ouais. Ok. Oui, là, c'est bon. T'as un mec, il est trop bien ce mode de jeu. Il est bien. Bah, il change, ouais. 2 heures par jour dessus. Ouais. Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec Hearthstone de base. J'adore. Ils ont changé, ouais. Ils ont changé de recette. Parce que moi, Hearthstone, ça me saoulait d'avoir les 2 millions de cartes, tu sais. Et voilà. Ok, alors là, j'ai un rouge, 15 HP. Il y a un mercenaire qui arrive. Hein. Ouais, il va avoir des mages. Ok, ça c'est trop bien. Et après, j'ai 2 neutres et j'ai un rouge de 15. Donc, si j'ai un rouge, il faut que je sorte 2 bleus, c'est ça? Ouais, mais regarde, ton enduant, il est pas monté niveau. Mais juste les personnages qui attaquent plus de level. Te casse pas la tête. Ah ouais? Ouais, bah, généralement. Je mets un rouge quand même ou pas? Vas-y. Ouais, bah t'as forcément le taunt. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc je mets Kern. Kariel. Kariel, Xerraya, Diablo. Mais je vais le one shot, frérot. Avec tous les boosters que t'as eu, ouais, là pour l'instant, le début, tu vas rouler dessus. Et là, je mets quoi en dernière carte? Parce que j'ai même pas besoin d'une dernière carte. Tu peux mettre ce que tu peux mettre. Tu peux mettre Samuro pour. Ah non, bah non, parce, tu non, non, de parce one que, shot. Ouais, il va le one shot parce qu'il a 8 de dégâts. Ouais, non, bah de Mediablo, histoire. Mediablo. Ok. Oh oui, ok, laissez-moi jouer, dites-moi si je vais merder, ok? Laissez-moi jouer. Oh.
merde. Ils ont fait des dégâts de feu. Je vais brûler. Non, non, quand c'est gris, c'est neutre. Pourquoi il y a éclair de feu alors à côté? Parce que c'est le nom du sort, c'est tout. Ah, donc c'est les dégâts qui vont m'envoyer? Oui, c'est ça. Tout. Ok, là je taunt. attends, dis-moi. Je taunt. J'envoie mon éclair sacré, luminance aveuglante vers le rouge. Je vais le one shot du coup. Voilà. Et après, Diablo, j'inflige pas des dégâts de feu parce que ça sert à rien. Et je vais le laisser AFK, je crois. Non, tu tapes, tu... Non, tu peux toujours taper. Je tape qui? Genre n'importe qui? Ouais, t'en fous. Allez, c'est en parti. En fait, tu sauras que si tu cibles une créature qui va mourir pendant le tour, ton mercenaire va attaquer aléatoirement une autre créature. Là, je tape, hein. J'en ai plus rien à foutre du taunt. Oui, ouais, j'en ai rien à foutre. Elle a eu taunt, c'est bon. Genre, tu lui mets ce qu'il doit mériter. Donc là, je suis no brain, là. Mec, ça envoie 8 de dégâts, Xyrella, c'est débile. Xyrella, ok, vraiment. 8 de dégâts. 100 points. C'est quoi ça, 100 coins? Je peux acheter un booster? Oui, tu peux. Je peux acheter un booster? Mais non, garde ton argent, il va falloir que tu améliores ton campement. Ils ont pris combien de niveaux? J'ai pas vu, j'ai pas vu combien de niveaux. Tous ceux qui étaient niveau 1 ont pris du monde. Attends, j'ai eu 2 cartes Overwatch. jouer au rang bronze 10, marin le malandrin, c'est bien ça? C'est une vieille carte. Tu t'en fous, hein. C'est sur mode. C'est nul? La carte, elle était jouée quand elle était sortie au tout début, mais sinon maintenant, personne n'a joué. Alors, là, j'ai mon vert là. Inflige 20 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Waouh! Bon, ça, c'est quand il meurt. Attention, ouais, c'est Serra d'agonie. Ah, ok. Les capacités des mercenaires sont plus rapides de 1. On s'en fout, tu vas prendre passif Furie des Vents, plus de plus 1. Il est incroyable. Ok, c'est là je vais à gauche, On avait dit qu'on allait à gauche, du coup on va aller à gauche. Oui, vas-y. On va à gauche, bon, les gars. Protecteur de santé, début de partie donne plus 15 de PV à tous les protecteurs. Ouais. Donc jusqu'à la fin du... Ah, c'est... Donc j'ai sauté une étape quand même, j'ai sauté un combat, c'est bien ça? C'est ça. Ouais, c'est pour aller plus vite. Après, mais par contre j'ai pas gagné d'XP. Ouais, c'est ça. Sauté un combat, t'as un bonus, mais t'aurais pu choper un trésor sur l'autre casque qui aurait pu être mieux pour améliorer ton équipe par rapport au boss, etc. Là je prends qui? Je prends les bleus là, parce que ma carte les plus fortes sont les rouges. Va sur le bleu, on va te montrer le combo samouraï. Mais il est low level. C'est pas grave. Ok. De toute façon, on va sûrement te le montrer au boss. Donc. J'ai perdu de l'XP, les gars. En vrai, c'était pas le bon move, je pense. Alors, là, je prends. Mais frérot, je vais tous les one shot. Je prends Samuro. C'est vrai qu'il montrait le combo Samuro là, on peut toujours pas en fait. Non, mais on va le faire au boss. Et je prends qui l'autre? On va le faire au boss. Mais dans tous les prends Xyrella et prends Kariel. En fait, c'est vraiment les trois. Les trois plus puissants de leur. Ok. De leur groupe. J'ai 37 HP. Ok, après tu. Et là, je fais quoi? Alors, moi, je te conseille un tips. Regarde ce que font déjà les cartes de tes adversaires avant de voir ce que. On d'attaquer. Il attaque un adversaire. Gèle tous les personnages blessés par ce serviteur. Donc si je le one shot, il pourra pas geler. Gèle tous les tout personnages blessés par ce serviteur. Lis bien. Donc s'il m'attaque, s'il me blesse, je suis gelé. Oui. Oui. Et du coup, je fais quoi? Je peux quand même l'attaquer, non? On s'en bat les couilles. Bah non, si t'es gelé, au moment où t'es gelé, tu peux plus faire d'action. Ta carte ne fait pas d'action. Mais quel est mon objectif? Mon objectif, je pense que c'est de taunter et après d'attaquer avec Samuro. Hein. Donc je l'attaque quand même avec Samuro? Ouais. Ouais, tu t'en fous. Ouais. Si c'est subi des dégâts pendant ce tour, gagne 5 d'attaque. Regarde, voilà. Tu vois? Ouais, bah, je vais le one shot.
Et là, mon éclair lumineux, je le mets sur qui? Tu le mets sur la 1-9. Parce qu'en fait, faut d'abord que la carte subisse des dégâts pour pouvoir activer l'effet de samouraï. Travail terminé. Ok. Sur la 9. Il va prendre. J'ai gagné, les gars. Le résultat revient au même, c'est pas grave. J'ai gagné. Je suis trop OP, les gars. Mais tu sais que normalement, c'est... enfin, tu peux. Le droit, je dis rien. Oui, Xerella est vraiment à propos de son mort. Ils gagnent plus beaucoup d'XP là, ils sont niveau 4 là, mes noobs. Ah, quoique, mec. Ils ont gagné à... Quoique, oui. C'est bien, ouais. Oui, mais c'est trop bien. Oui, c'est très bien. Ok, alors Xirella, effet passif, plus 1 en dégâts sacrés. Rend tous les PV au personnage, donc le Valanir. Et Hystérie, choisit un personnage, il attaque les personnages aléatoirement jusqu'à sa mort. On prend le bâton sacré, on voit s'il passe de merde. Ok, j'apprends le boss. Concentration. Fais gaffe. Vrai, alors, le placement des cartes, ça sert à quelque chose ou pas? Oui. Alors, vas-y. Ça va... En fait, par exemple, quand t'as des cartes qui ont le même temps d'attaque, entre guillemets, je sais pas exactement si tu vois ce que je veux dire, par exemple, si toutes les attaques de tes cartes sont à 4, et ben c'est la carte la plus à gauche qui va effectuer l'action en premier. Répète. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, t'as Samuro qui attaque à 4, d'accord? Et t'as Anduin qui envoie un sort à 4. Ok, juste à la seconde. C'est le mec de la gauche qui va attaquer en premier. C'est ça, c'est le personnage le plus à gauche qui va effectuer son action en premier. Ok, et du coup, alors qu'est-ce que je fais là? Là, tu vas poser Kern, Samuro, Xeria. Kern, Samuro, Xeria? Ouais. Non, Kariel. Kern, pourquoi j'ai dit Kern? Pardon. Kariel, Samuro, Xirella encore et pas Diablo? Xirella? Non, bah avec Xirella. Tu peux poser Diablo en vrai, parce que le taunt, ici, il fait rien. Bah, ouais, en vrai. C'est comme tu veux. Xirella, on peut te montrer le combo. Diablo, c'est vas-y, ok. Expéditif. Montrez-moi le combo. Ok. Vas-y. Alors, tu vas attaquer celui à droite, le 1-30. Avec donc tu attends. Mets provocation d'abord avec Kariel. Faut lui dire pourquoi il va attaquer la 1-30 d'abord, parce que regardez son effet. Attends. Ne peut être blessé que par des attaques pendant ce tour. Voilà. Que par des attaques, d'accord. Donc s'il attaque, il pourra pas se faire baiser. Inflige 5 points de dégâts à tous les adversaires qui ont 5 attaques au moins. Inflige 5 points de dégâts à tous les adversaires qui ont 5 attaques ou moins. C'est-à-dire que tous tes personnages qui n'ont pas 5 d'attaque vont subir des dégâts. On va tous subir des dégâts là, je suis mort. Alors, pas tous, tu vas comprendre pourquoi après. Je suis mort. Non, easy. Tranquille. Donc par exemple, tu on vas m'a dit Xirella. Provocation useless là. Oui, c'est useless. Bah, c'est deux casters, donc ce sera useless sur le coup. Est-ce qu'ils attaquent? Non, je crois pas. Donc Non, ils attaquent pas. Donc autant attaquer alors. Si, la première elle attaque une fois tous les 3 tours. Il me semble qu'il y en a une qui attaque. Non. Ouais, la celle de gauche elle attaque une fois tous les 3 tours. Ok. Gagne ne peut être attaque, ne peut être blessé que par des attaques pendant ce tour. Ouais. Donc là je l'attaque. Par exemple... Non. Parce que en fait la menace la plus dangereuse sur le board actuellement, c'est à droite. C'est la créature bleue à droite. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Et aussi, je voulais te montrer un autre truc. J'aimerais que tu attaques une carte avec. Oh, j'ai vu tout le temps son nom. Kariel. Vas-y. J'attaque à droite. Ouais, à droite. Tu fais le sort à droite et tout. D'accord. Vas-y, ok. Et là, pareil, je fais double frappe à droite. Ouais. Et après, je fais luminance à droite. Exactement. Ouais, tu mets tout à droite. Ok, pour le moment, je vous suis. Aucun intérêt. La carte me parle. Ok, donc tu connais le cycle des faiblesses dans le jeu. What the fuck? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Pourquoi il a attaqué 3 fois? En fait, il a le passif Furie des Vents, donc il va forcément attaquer 2 fois. D'accord.
Et en fait, il a aussi son effet double frappe, qui dit que lorsqu'une carte, une carte est endommagée avant qu'il attaque, il va réattaquer derrière et il va prendre, il va donner, enfin, il va gagner 5 d'attaque. Attends, attends, lorsqu'une carte quoi ? Lorsqu'une de mes cartes subit des dégâts, il continue à frapper, c'est ça ? Non, en fait, si la cible qui l'attaque a déjà, déjà subi des dégâts avant d'une autre carte, et ben, donc c'est pour ça que j'attaque avec Ariel avant, c'est ça ? Avec Xirella. La bleue. C'est Xirella, okay. Le combo. Ok, ok. Et, en fait, je voulais te montrer qu'avec si t'attaques unité, avec unité rouge, si t'attaques unité bleue, t'as pas le dégât critique sur le retour. C'est ça que je voulais te montrer. Si, répète ? Quand tu, par exemple, quand tu AK, quand t'as une unité rouge et tu attaques une unité bleue, d'accord ? L'unité avec laquelle tu vas attaquer, donc qui. Oui, oui, elle est pas, c'est pas critique parce que rouge c'est inférieur à bleu, on est d'accord ? Non, c'est, oui, c'est ça. Ok, c'est ça que tu voulais dire. C'est au moment de l'attaque, c'est au moment de l'attaque. Oui, bah là, vert, je vais lui mettre un critique, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Bon, ok, là je le baise ? Oui, oui, vas-y. Ça tape juste avec Samuro, déjà tu gagnes. Il a moins 9. Pourquoi il a 14 d'attaque, l'autre malade mental, là ? Parce qu'il y a tout le temps d'attaque. Avec son effet. Il est OP sa mère ? Oui. Oui. On dit depuis le début. Waouh ! Et ça, j'ai eu dans un pack ? Gratuit. Ça, c'est gratuit. C'est dans le... Alors, voilà, vous voyez, les gars, tous les meilleurs persos sont gratos. Hein. Xirella, c'est gratos. Oui, Karia, c'est gratos. Clairement. Et voilà, tous les. Ok ? Voilà, je tiens à le préciser quand même. Nova Sacré, Anduin. Bon, ça va pas. Exactement. Image miroir, Samuro. Ça, je t'en prie. Et j'ai aura d'endurance pour Kariel. Carne. C'est bien, justement. Si, c'est bien. C'est pour. Putain, mais je suis trop OP, sa mère. Je veux du challenge là. J'en aurais plus parce que j'ai ouvert des packs. Si, tu vas avoir du challenge après. Ok, ok. Plus tu vas augmenter. Les tarides, en vrai, c'est très facile. Tout le monde peut le faire. Même la zone suivante, en vrai. Y'a rien de compliqué. C'est vraiment quand t'arriveras, je pense, dans les zones où ils te demanderont des personnages haut level, c'est là où tu vas douiller. Mais oui, là, c'est désormais améliorer le point de voyage et débloquer. Rassemblez votre équipement. Je récupère Cornelius Rome. Il est bien, Cornelius. Ouais, c'est un bon. C'est une bonne carte. Putain, attendez. C'est attends pas une carte les gars. Énorme, mais c'est une bonne carte. Merde. Ok, attends, je vais faire la technique. Salut tout le monde. Oh tiens, la boutique. Mais oh, c'est nouveau ça. Je clique. Oh non, je rigole. Merde. J'ai trop rigolé. Attends, c'est genre je me barrais même. Attendez, c'est genre je me barrais. Il va me récompenser parce que il veut pas que je me barre. Ah oh, merde. J'étais un chouïa trop lent pour la légendaire, je pense. Donc là, je peux améliorer le truc de voyage. Comment je fais? Ouais, mais d'abord, tu vas. En fait, moi, ce que je te. Pour les débutants, en tout cas, qui vont commencer, je te propose qu'à chaque fois que tu termines une prime, tu vas regarder la composition de ton groupe, voir si t'as gagné des choses. Ok, mais là, en gros, je peux soit améliorer, soit ouvrir des packs, on est d'accord, c'est ça? Oui, en soi, mais vaudra mieux. Ah, en vrai, le jeu. J'améliore. Ouais, tu peux améliorer. Tu peux, ouais. Parce que, en fait, plus t'as de primes, plus tu vas pouvoir débloquer des héros, coins, ouais. Pour améliorer. Non, des coins pour améliorer tes héros. Ok. Là, je peux jouer en héroïque direct maintenant ? Ouais, normalement, je crois. Sensation forte. Ok, attends. Mais ça, tu veux y aller, tu veux y aller. Ah bah moi je vais aller en heureux, qui attends bouge pas, mais attends, mais je peux, je vais pas me faire défoncer. Non, tranquille. Non, non, avec ce que t'as là, non, c'est facile. Ok. Là j'augmente aura d'endurance au max ou pas? De Kern. En vrai. En vrai, t'es pas obligé, t'es même pas obligé.
Ok. Bah, tu peux améliorer un coup, quoi. Xirella, j'attends quoi? J'attends rien? Non, Xirella, tu vas. Ah, si, le 1, le premier, ok. Ouais, c'est bon, il est niveau max là. Non, niveau max, c'est 5. Ah merde, putain, il manque 150 points. Andouin, je monte quoi? Nova Sacré à max? Nova Sacré. Ouais, Nova Sacré. Au max? Au max. Au max. J'aime bien quand c'est comme ça. Huit points de dégâts! Non mais c'est trop! Rend 12 à vos personnages, non mais c'est trop! T'inquiète. Ouais, très bon dégâts de zone et de heal de zone. T'inquiète pas, quand t'auras le combo... Bah t'as pas le combo avec Velen, mais... Samuro, image miroir, j'améliore pas. Non, surtout en fait avec Samuro, tu vas débloquer des primes. Et j'attends d'avoir les trucs en bas, c'est ça? C'est ça. Ok. T'as des équipements qui sont trop forts par rapport au perso. Comme par exemple la baguette de Xirella qui dit que t'enlèves encore des dégâts, fait plus de dégâts et t'enlèves encore plus de dégâts aux adversaires. Ok, on passe en héroïque, ouais. C'est parti. Alors je gagne quoi de plus en héroïque? Plus de tokens, il me semble que t'as les primes en plus, je crois. Enfin, que tu vas débloquer les primes à partir de ce moment-là. Je fais niveau 10 là? Non, tu fais niveau 5. Ouais, niveau 10 c'est peut-être trop haut là. Niveau 5? Ok, tu peux. Niveau 5 facile, tu pourras le faire. Et tu gagnes aussi, bien entendu, plus d'XP. Je me mute et je reviens si j'ai besoin d'aide. Ok, les gars? Merci, les gars. Les gars, là, je me fais PL, c'est pas bon. Je vais les fumer. Ok. Là c'est rouge. Donc là je joue. Petit Max 9 mois, merci mon vieux Sokal pour les 18 mois, merci Evo Crafter pour les 5 mois, merci Banana pour les 13 mois, merci gars. Les gars, ce mode il est vraiment cool. Vraiment vraiment cool. Ok. Alors 18 HP l'enfoiré. Attends, il est rouge. Ils sont rouges. Là, je vais mettre... Ils sont rouges, les gars. Hop. N'est pas perdu. Et hop. Meilleur choix. Ils sont rouges, les gars. Oh là là, ils vont se faire one shot. Alors... Merde, j'ai pas respecté l'ordre. 9 et 9, 18. Donc lui, il est mort. Inflige 9 points de dégâts à tous les adversaires, rend 13 PV. Ça marche pas. Et je taunte. Rouge. Je suis prêt. Lis bien les adversaires. J'ai pas le temps, regarde. Hop là, ça dégage. J'ai pas le temps, frérot. Ils sont bêtes, ils sont très très bêtes. Voilà, j'ai pas le temps. Nova Sacré, attaque. On a pas le temps. Les gars, je roule. Je suis devenu un dieu de ce jeu. Plus 7 HP, sors de là. Plus 7 HP. Je sais même pas comment il a gagné 7 HP. Sortez-le. Jouez 5 tours, sortez-le. Ok. Oh merde, l'âme maudite. Attends, laisse-moi lire d'abord. Plus 5 d'attaque, double tous les dégâts subis par ce mercenaire. Oula, ça c'est pas bon ça. Hop, 2 points de dégâts à un adversaire aléatoire, recommence 2 fois. Ah ouais, non, ça va être ça. Ok, ça va être l'âme rebondissante. Les gars, c'est l'âme rebondissante? Je peux pas encore regarder. L'âme rebondissante. En vrai, c'est tous des passifs de merde, putain. Ou sinon, je prends la potion. Non, autant prendre la lame rebondissante. Ouais, mais tu vas jamais l'utiliser. Bah, de toute façon, j'utiliserai rien là. Ouais, non, honnêtement. En vrai, tu peux. Normalement, avec la Xirella que t'as, tu peux prendre le passif lame maudite. Hein. Ouais. Mais c'est super risqué. Mais attends, je suis au niveau 5, les gars. C'est greedy, mais. C'est greedy. Après, je double ce que je mange dans la gueule. Donc, ouais, autant ne pas faire ça. Prends ta lame rebondissante. En vrai, c'est pas des passifs de ouf. Ok. Gardienne des âmes, ressuscite un mercenaire aléatoire de votre équipe. Non. Bah là, tu vas chercher l'XP, tu vas plutôt aller à droite. Ok, je reviens, les gars, merci. Ouais. Ok, on va chercher l'XP. C'est du vert, les gars. Qu'est-ce qu'on fait quand du vert, chat?
Qu'est-ce qu'on fait quand on dévers? Merci Aniris pour les 25 mois. Eh, hey, je sais que tu joues, je te bute. Je sais que tu joues. Tu veux un V1 Aniris? Je prends du rouge. Donc là, je prends lui. Je prends lui. Je prends lui. C'est terminé. Bon, j'ai pas lu, les gars, j'ai pas lu parce que je suis trop fort. J'ai pas lu leur capacité en face. Voilà, +2, +2, +2. Ils sont très mignons. Ils sont très très mignons. Mais ça dégage, hein. J'ai pas lu. J'ai pas lu. Je pense que je suis bien là. Le taunt, ils attaquent tous, ils meurent tous. Allez hop, ça dégage. Tous morts. Putain, ils m'ont cassé la gueule quand même. Hein. Ils m'ont cassé la gueule. 6 d'attaque, cet enfoiré. C'est-à-dire qu'il va me tuer là. Rend 12 PV à ce mercenaire. Allez hop. Ça rend 12 PV, frérot, 12 PV. C'est trop. 12 PV, les gars, et je lui enlève 50 000 d'attaque, c'est trop. Moins 9... Non, arrête. Sortez-les. J'en suis sûr que j'avais pu faire niveau 10, les gars, c'est quoi ça? C'est une botte. J'avais pu largement faire niveau 10, là, les gars. Ils sont bêtes ou quoi? Oh putain. Tant fois 2, lance une capacité de ce mercenaire 2 fois. Botte de hâte. Vas-y. Je prends bleu, on est d'accord hein. Attends. Ouais, je prends bleu, comme ça je les one shot avec le... Comme ça, j'ai one shot avec mon mec, le malade mental là. Oh merde, viens rouge. D'où ils ont Cariel? Ils ont le droit de faire ça? What the fuck? Oh merde, je suis mort. Oh merde, je suis mort. Je vais prendre. Oula. Oula, sors mon équipe de choc. Vos personnages à l'ordre ont +2, +3. Il faudrait que je prenne lui, hein. Les gars. Mais ils vont moins tape. Je suis mort. Je suis mort. Lui c'est sûr. Je suis mort. J'hésite là, chat. Aidez-moi. Direz là avec combo. Ok. Chassez les ténèbres de votre cœur. Allez, je prends le combo, je prends le meilleur combo. Allez. Merde. Inflige 3 points de dégâts à 2 mercenaires adverses aléatoires. Ils sont plus lents les 2 prochains tours. Foiré. Infligeant moins de dégâts de nature. Combo de nature recommence. Enfoiré.
Viens, je lui casse la gueule. Je casse la gueule à qui? Bon, vas-y, viens, viens, j'aime pas sa tête à lui là-bas. Travail terminé. C'est terminé. Oh putain, oh putain, oh putain. Oh putain, oh putain, putain. Oh putain, ils ont failli me tuer. Allez, c'est bon, je suis invincible. Mec, c'est OP de ouf, mec. C'est terminé pour toi, rends-toi, mon pote. Rends-toi, c'est terminé. Xyrella, elle est tellement OP, mec. What the fuck? Moins 18. Effectivement, c'est moins 18, mesdames et messieurs. Je gagne 0 d'XP, what the fuck, je suis en héroïque. Je suis un héroïque. Vos personnages de l'Alliance, plus 2, plus 3. Oh putain. Ça va être ça, hein. Ça va être ça. Oh, les gars. J'ai subjugation. Subjugation. Mec, ça veut dire que ça met un moins 8 à côté, au mec à côté aussi. Oui, ça met les dégâts, si ça arrive, ça devient une AOE. Ok, en tout, merci, tu cibles toujours le mec au milieu. Okay. Et ça inflige des dégâts tout le monde. Merci, les gars. Attends, ça veut dire que quand je tape le mec au milieu, il y a les deux à côté, ils prennent? Non, arrête. Wouah, mec, c'est trop. 40 14 mois, merci, mon pote. J'aurais peut-être pas dû ouvrir les caisses. J'aurais peut-être pas dû ouvrir les caisses, chat. Alors, je vais prendre Cariel. Pour l'Alliance. Mon orc préféré. Ok, c'est terminé. Inflige 12 points de dégâts à l'adversaire au PV le plus élevé. Oh, le malade mental. Oh, le malade mental. Je vais mourir! Bannez-moi ces fils de pute là, s'il vous plaît. Bannez-les-moi là. Bannez-moi ces fils de pute. Merci. Bannez-les, les gars. Leur laissez pas respirer. Bannez-les-moi. Attends. Voilà. Merde. Attaque lui là plutôt. Lui, et comme ça on one shot lui là. Et c'est terminé. Tac. Boum. Boum encore. Encore boum. Oh putain, ils vont me casser la gueule. Oh yes. Oh, mon calcul était parfait. Là je taunte parce que j'ai pas de couilles. Mec, subjugation, mais allô. Allô. Travail terminé. Mec, je suis trop bête, j'aurais dû attaquer lui avec subjugation. Attends, ça va lui envoyer aussi, je suis bête. What the fuck, qu'est-ce que tu fais? What the fuck? Qu'est-ce que tu fais? HP. T'es mort. Soirée.
Sortez-le! Sortez-le! Oh mon dieu, mec, Samuro, c'est un délire! C'est quoi cet XP là? C'est quoi cet XP? Osez, c'est le boss final. Non mais mec, je sais que tu t'en bats les couilles que j'ai des noobs qui meurent, mais pas moi. Moi je suis RP, moi. Je suis RP. Je prends soin de mes petits noobs, ils ne peuvent pas mourir. Allez à droite. Nul. Niveau 8, je le fais en héroïque ou pas? Rexa. Les gars, niveau 8 en héroïque, je le fais? Ouais. Vas-y. T'as eu des pertes ou pas sur ta run précédente? Non. Et ben voilà. Tu Par contre, le dernier boss, il a fallu moins de tapes. C'est pas grave, tu peux avoir des remplaçants. Donc, ah ouais? En vrai. Bah oui, ah bah c'est bon, c'est terminé. C'est terminé, sortez-le. Tous les combattants des deux équipes obtiennent un bonus aléatoire. Ah bah c'est terminé. Par contre, je suis là pour l'XP. Je suis là pour l'XP, les gars. Provocation. Putain, il a 32 HP, frérot. J'ai envie de faire le gros bâtard là, le gars. Et je pense que je vais le faire. Hein. Pour l'alliance. Je mets ça. Et ça. Par la lumière. T'en as plus rien à foutre. Plus rien à foutre. Putain mec, c'était incroyable le petit truc. Oh, je vais crever là par contre, attends. Rien à foutre, allez, on y va. Oh, les bâtards. Mais tu es bête. Pourquoi il clignote? Pourquoi tu clignotes toi? Attends, hey, je vais pas claquer. Il a 2 HP, les gars. Je vais aller one tap lui là, non? 8, 9, 10, 11, 12. Oh merde, je me suis chié dessus, attends. Tape-le! Ah, trop tard. Oh merde, j'ai cru qu'il allait me tuer. Oh, j'ai cru. Eh mec, là je perds Xerella. Premier round, je suis mort. Merde, j'ai dû faire Nova Sacré, je suis bête! Putain! Ah ouais, j'ai dû faire Nova Sacré tout à l'heure. J'ai récupéré ma vie. Là ça XP, là ça XP, là c'est mieux. Oh putain, ça c'est important. Ta barre de hurlement donne un plus 1 de tes humains, subit 1 point de dégâts en moins. Cercle de soins, à la fin de votre tour, rend 2 PV à tous les alliés. Direct. J'ai envie de prendre ça, les gars. Le boss, hey, les gars, le boss il est bleu, il va falloir que je l'éclate. J'ai envie de prendre ça. Je sais que je suis là pour l'XP, les gars, mais j'ai envie de prendre ça. Parce que le boss il est bleu, au moins je vais le one tap le boss, non? Non? Oh, le vortex! Ah ouais, vous préférez le vortex? Ok, je sais pas ce que c'est le vortex, vas-y, on y va. La meilleure carte du jeu reste la carte bancaire. C'est si drôle, frérot, arrête, c'est bon. Tu peux très bien jouer sans ta carte bancaire, mec. Arrête de casser les couilles, mec, c'est un jeu gratuit. Forcément, il y a une économie derrière, réfléchis 2 minutes. Que Claude.
Je me bats. Tout espoir n'est pas perdu. En vrai, j'aime bien ce combo. Attends, lui, il tue lui là, non? Vas-y, on y va, j'ai plus rien, j'en ai plus rien à foutre. J'avance. Putain, doucement. Tu es bête. Il est bête. Hop, je joue la safety. Là, je commence à comprendre. Regardez, je commence à comprendre. J'ai compris. Je sais qu'ils vont attaquer. Voilà, ils vont se suicider sur moi. Il va se suicider, voilà. Vous avez vu, j'ai capté. J'ai capté, les gars. J'ai capté, les gars. Putain, mec, l'XP, ça monte pas, là, par contre. Je suis pas content. Je suis en mode héroïque. Y'a moyen de mettre les extensions des modes sur téléphone? Ouais, je sais. Ouais, y'a moyen. Hystérie. Chaque personnage, y attaque les personnages. Tant fois 2. Cercle de soins. Est-ce que cercle de soins, les gars, ça fait +2/+2 si j'ai deux personnes avec cercle de soins? Je pense que oui. Allez, hop. Gardien des âmes, ressuscite un mercenaire étranger mystérieux. Persuadez un mercenaire de s'arrêter dans votre village. Attends. Donc là, je vais envoyer lui. Attends. Attends, j'envoie lui et il risque de jamais revenir? Mais je comprends pas là, ça sert à quoi d'envoyer un mec visiter? Eh les gars, explique-moi, c'est quoi le système de visite? Samuro. Mais attends, pourquoi? On était en train d'en parler. Mais qu'est-ce que ça fait? En tout, ça va te donner une nouvelle quête sur le personnage. Et tu vas devoir faire des choses avec ce personnage pour gagner des pièces dessus. Et une tâche. Et au bout de deux tâches, tu obtiens un passif permanent. Ok. Un équipement. Ok, donc dès que je vois le vortex, il faut tout le temps que je le prenne. Samuro, deux fois. Ouais, deux fois. Attends, il me semble que c'est vous deux, hein. Ok. Bon, bah merci beaucoup, les gars. Ils m'ont gueulé dessus, les gars. Vas-y, je prends rouge parce que Xirelia, elle est trop forte. Je prends rouge. Mec, mon Xirelia, là, elle est trop forte. Merde, ils ont... Oh merde, ils ont... Je me bats. Qu'est-ce qui tue le vert? Qui tue le vert, les gars? C'est le rouge. Le rouge tue vert, on est d'accord, hein? Donc il faut que je focus le vert là, parce que là sinon je suis mort, non? Il faut vraiment que je focus le vert. Chassez les ténèbres de votre cœur. Donc là je mets le tauren en plus. Parce que j'ai envie de mettre Anduin, les gars, mais Samuro il va one shot, non? J'ai envie de mettre Anduin.
Vas-y, je mets en doigt, on va tous les buter. On va tous les buter. Là, je taunt. Vas-y, je taunt. 8 et 8, 16. Bon, j'arrête de calculer. 16, 4 et 4, 8. 16 plus 8. 24, c'est parfait? Non? J'ai arrêté de lire. 18! Yes! MDR, mec. Oh là là, mec, double cercle de soins. Allez, sortez-les. Toi, je t'attaque. Toi, je l'attaque, non? Bah oui, de toute façon, je suis taunté. Ok, allez, c'est terminé. Et le cercle de soins. Et c'est terminé. C'est terminé. Oh, plus 4. Oh, mais c'est si mignon. Nul, 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 nul. Merde, je... Qu'est-ce qu'il fait? Il est bête, voilà ce qu'il fait. Il est bête. En fait, faut connaître les cartes, faut connaître ce qu'ils vont faire en fait. Parce qu'ils cachent des choses, les cartes. Les cartes cachent des choses. Faut connaître leurs compétences. Cris de commandement peuvent pas avoir moins de 1 PV ce tour. Vos personnages ne peuvent pas avoir moins de 1 PV. Ah, donc cri de commandement, ça m'empêche de crever. Rien à foutre. Même pas utiliser ton personnage là. J'aurais pu jouer niveau 10 direct, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Oh putain, 80 HP, enfoiré! Tu peux voir les compétences? Ah, tu peux pas voir les compétences encore? Bon, les gars, ça va être réglé. Hein. Je vais prendre Diablo. Je vais prendre Cariel. Cariel, ça sert à rien, non? Cariel, ça sert à rien, non? Ok, attends, non, là c'est technique. Eh, hey, les gars, j'ai besoin de vous. Oui. Ouais, vas-y. Cariel, ça sert à rien, là, non? Ouais, tu peux mettre Diablo. Hein. On s'en fout. Ouais, tu peux mettre là, Diablo. Là, je mets Diablo, Maître Lame et Anduin. Non, et Xyrelia. Ah, c'est ça, Xyrelia, ouais, c'est ça. Et, l'ordre, c'est Xyrelia à gauche, c'est ça? Attends, si je connais bien l'attaque des personnages, l'ordre importe peu. Ouais, là tu t'en fous, l'ordre. Normalement. Ok, et là je bute le mec à droite en premier? Oui, toujours. Ça. Putain, je suis un monstre. Ah, t'es un monstre. Regardez mon fer. Vas-y, je regarde. Vas-y, je prends mes tunnels. En fait, il y a un truc que j'ai pas compris, les gars. Pourquoi est-ce que Samuro gagne? Il gagne de l'attaque? Ouais. Est-ce que tu sais lire? Non. Ah, ça va être compliqué. En gros. Attends, mais j'ai la lame maudite à cause de toi! Ah non. Non? Mais non. C'est la double frappe, c'est ça? C'est plus 5 d'attaque, non. Ça? Alors. C'est ça. Voilà, quand il attaque, quand il attaque deux fois, donc avec l'effet de son attaque, il va gagner 5 d'attaque. C'est tout. Ok. Là, les gars, regardez, j'ai un dilemme là. Mm-hmm. J'ai un dilemme. Le gars, il a 15 HP à droite. Et ça fait chier tout balancer dessus. Ouais. Ouais, mais après, comme je t'ai dit, regarde ce qu'ils font. J'ai besoin d'un calcul là. Un fils de 9 points de dégâts, un adversaire recommence sur un adversaire adjacent supplémentaire. Putain, il me casse la gueule, non, lui. Mais regarde. Donc là j'envoie tout sur la droite? Moi, j'aurais balancé tout sur la droite, pourquoi? Parce que les dés, ils font le même spell, en fait. Et donc, le but, c'est que tu prennes le moins de dégâts possible. Et Diablo, je le fais attaquer à gauche, c'est ça? Là, Diablo, il peut faire quoi, vas-y? Ah, il peut faire choc infernal. 8. Ouais, il va faire 2 fois 8. Oh, ouais, mais c'est mortel. Juste besoin, okay, bah,
Bah tu peux juste faire Diablo et tous les autres attaquent à gauche en fait. Oh là 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 là, on va one shot tout le monde. Mec, c'est insane! C'est débile! Oui. C'est débile, les gars, comment je l'ai one tap, le pauvre mec! De packs! Non, je crois que t'as 16 packs gratuits jusqu'au Tarid. Ou Tarid plus. Ok. La zone d'après, vous avez mis de l'argent dans le jeu sans inscription. Ouais, pack de bienvenue. J'ai eu 50 balles de trucs sur. Toi t'as mis 50 balles et toi t'as mis le pack de bienvenue qui est à 19 balles, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc au total dans le jeu t'as mis 20 balles. Ouais, c'est ça. Ok. Non, c'est à titre informatif pour le chat ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pay to win. Alors, qu'on soit honnête, tu payes, t'avances plus vite. C'est tout, ouais, c'est du pay to fast. Donc c'est plus du pay to fast que du pay to win. C'est pas du pay to win. Tu peux farmer avec la compo qu'on t'a donné, rien qu'avec Xeria Maître Lame, qui est gratuit dans le jeu, tu peux farmer tout dans le jeu. Tu peux faire toute l'histoire. Même en PvP, honnêtement, tu peux aller quand même assez haut avec la compo avec les persos qu'on te donne de base. C'est ça, minimum 5000 de potes. Facile. Par contre, j'ai plus rien dans les caisses, les gars. Bah, en fait, plus tu débloques de portraits et de cartes, plus t'auras de pièces après parce que t'auras plus à les débloquer après. Tu peux pas les débloquer en double. Ah, ok, ok. C'est ça. Enfin, du coup, les pièces, c'est une forme de doublon, quoi, en gros. C'est ça. C'est ça, mais. C'est très très utile hein, comme doublon, pour le coup. Putain de merde, mais les gars, j'ai trop de pièces là, par contre. Hein. C'est un délire. Non, t'inquiète pas, pour chaque perso, faut un minimum 2006. Pardon? Pour chaque personnage, il faut au minimum 2006. 2006 pour les maxer? Ouais, tout. Ouais, faut le max, ouais. Donc c'est 2006. Et t'auras pas besoin de 2006 en soi, parce que ouais. T'auras pas besoin de tout. Mais si tu veux vraiment améliorer un perso au max du max, c'est 2006. Voilà. Battle Royale, faut 0€, le jeu normal, quelqu'un qui commence, il va galérer et s'il met pas d'argent. Mais frérot, sois pas naïf comme ça, tu es bête ou quoi? Eh mec, t'auras pas les armes sur Warzone, tu es bête ou quoi? Ne sois pas bête. T'auras pas les armes, mon frérot. Warzone, mec, c'est le loadout qui fait que t'es... Arrêtez de vivre chez les bisounours, les gars. Eh, c'est des entreprises qui ont des actionnaires, qui doivent les rendre heureux, ok? Et comment les actionnaires sont heureux? En gagnant de la thune, ok? Donc forcément les gars, il y a toujours une forme de, même si le jeu est gratuit, surtout si le jeu est gratuit, il y a toujours une forme de une manière pour vous attirer et vous pousser à payer. Maintenant, est-ce que t'es obligé? Non. Et c'est ça qui est cool. Pour profiter du jeu et passer un bon moment, tu n'es pas obligé de payer. Et ça c'est pas, ça c'est trop bien, ok? Mais bon, vous voyez toujours le côté, voilà, alors que vous payez même pas, vous faites même pas, vous jouez même pas au jeu. Alors, comme ça, c'est réglé. Ok? Moi, j'y joue au transport, hein, en vrai, en mode mercenaire. Hein. Moi, je vais pas y jouer, mec. Moi, je te le dis. Hein. Moi, je vais tomber drogué dessus. Hein. Je ne vais pas y jouer. Ouais, c'est possible que toi, tu sois drogué, franchement. Hein, c'est... Bah, j'ai vu Gotha. Très, très addictif. J'ai vu Gotha, c'est terminé. C'est terminé, ok? Moi, je vais encore faire du sport, je vais encore faire des choses là, des jeux comme ça, mec, où il faut améliorer, c'est terminé pour moi. Ah bah là. Bon, en tout cas, merci beaucoup les gars, c'était bien cool. Merci beaucoup. Pas de soucis. Et restez là parce que je sais pas encore, j'arrive pas à me décider si je continue ou pas. Mais merci encore les gars, c'était bien cool. Pas de soucis. Les gars, je sais pas, j'ai envie d'en faire une dernière là. L'OP est terminé déjà depuis une heure, hein, sachez-le. Ok, Iconic, merci les 3 mois, mon pote. Night of Gamer, 30 mois, merci le Poulpe, tier 1, merci Scum Counter, 3 mois, merci les gars. Ça, Sraz, 4 mois, merci Cara pour le truc, tier 1, merci mon vieux. Grand Dead, les gars, il me reste très peu de trucs à faire en vrai. Putain, t'as vu tous les autres persos là? Oh lolo. Mais là, j'adore ma compo là. Je fais une dernière. Je vais essayer de les speedrunner, regardez. Je vais jouer qu'en héroïque en plus. Là, niveau 10, je risque de mourir, les gars. Niveau 10, mec, attends.
Mais ils sont pas niveau 10 mes persos, je crois. Merde, putain, c'est la taverne. Je crois que mes persos ne sont pas niveau 10, les gars. Niveau 11. Niveau 11. Niveau 10. Ah non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, les gars. C'est bon. C'est dommage que le bouton échappe ne revienne pas en arrière. Voilà, ça c'est ce que j'ai à dire. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Jusqu'à ta première lose. Bah là, mec, là, là, c'est simple. Ça va être là. Hein. Ça va être là, les gars, je pense. Ça va être là, les gars. Oh, le vortex à gauche. Ressuscité. Oh, il y a plein de bonus, là. Tous les lanceurs de sort sont les... Des deux équipes obtiennent un bonus aléatoire. Oh, putain. Oh, putain, yes. Attends, vert, c'est quoi? C'est rouge? En vrai, rouge, je suis pas ouf, hein. Rouge, je suis pas ouf, les gars. Oh, merde, pour le mystère, il faut prendre la ressuscitation. Les gars, là, je prends mystère encore? Ouais, ouais, faut que t'ailles sur mystère. Mystère, c'est cool. C'est super cool, mystère. Et je t'ai dit de vérifier ton code camp avant de partir. Ouais, d'abord ton code camp, parce qu'en fait... Ouais, c'est ça, c'est que t'as des quêtes sur des personnages qui te servent pas. Descends tout en bas. Oh merde, attends, j'ai lancé là. T'inquiète, t'inquiète, c'est pas grave, tu le fais juste après la. Ah, je peux revenir au volcan après ? Après le combat, ouais. Ok. Ouais. Sur la carte, tu vois, t'as un petit feu en... tout en bas. Je vais les éclater, mon frérot. Putain. Ouais, il est concentré. Ah, je suis concentré, mec, là ça me demande beaucoup trop de matière grise. Ah! T'inquiète, à un moment ça fera, ce sera mécanique. Ouais, bah écoute, là ça y est, ça commence à mécaniser là. Ça commence à mécaniser. Ouais, je vois ça, ça joue vite là. Mécanique. Ça, t'as vu, c'est mécanique là, hein, c'est mécanique. Ah, c'est une bonne machine, ah. Là j'ai tout fait nickel là. Ouais. Ouais, c'est nickel, parfait. Attends, là par contre, là j'ai un petit calcul à faire. Allez, fuck le calcul, c'est terminé, j'envoie tout. Oui, Merde! Les primes reset à minuit. Les quoi? Les primes. Les tâches. C'est les quêtes que t'as. C'est les quêtes que tu chopes tous les jours. Hearthstone te donne 4 tâches plus la tâche avec Toki qui te demande de faire deux. Ok, 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 ok. Donc là, il faut que je me manie le cul en fait, c'est ça que t'es en train de me dire. Non, pas vraiment. Ça va être combien de temps à faire les tâches? Ça dépend, vu que là t'es sur les premières tâches, normalement c'est rapide, mais faut que t'ailles au fuck-camp là, absolument. Botte de hâte, lame rebondissante, bombe à mèche courte. Botte de hâte? Non, moi, prends pas les bottes. Bombe. En fait, les bots, ça te détruit le combo avec Zirella, parce que si ton samouraï il attaque avant, il n'aura pas l'effet de réattaquer. Je prends quoi, la bombe? J'ai refait la bombe. Parce que t'as l'image miroir, et en fait, l'image miroir... Et là, je fais comment, là? Je fais voir le groupe? Je fais comment? Retour. Retour, retour. Et là, je fais quoi? Non, même pas. Non, même pas, t'es même pas obligé. T'as le feu de camp à la fin. Oui, c'est vrai. Du coup, là, tu peux abandonner les deux quêtes que t'as... Abandonner quoi? Avec les démons. En tout, tu cliques sur les tâches et tu peux cliquer et tu peux faire abandonner. C'est pas des persos que tu joues. En fait, nouveau visiteur demain. Les tâches avec... Et demain, en sachant que c'est minuit, donc dans 20 minutes. Et là j'abandonne les deux quêtes de démons, ça? Ouais. Bah, tu les joues pas, donc tu t'en fous. Et arrache les plumes, je garde ça? Ouais, non, ça c'est la quête d'histoire, c'est obligatoire. Ok. Voilà. Là, je peux revenir dans mon truc, ok. Là, je vais à gauche. Voilà. Ouais, exactement. Tu vas vers le tourbillon. Là, je rends visite avec Samuro, ça. Ouais, c'est ça, mais tu fais ça. Nickel, tu l'as. Parfait. Ah, parce que des fois, tu l'as pas? Bah, en fait, il te propose 3 persos sur les 6 que t'as. Donc. Infliger 40 points de dégâts avec double lame. C'est chaud, non? Ça va être rapide. Non, non, c'est super rapide. Et c'est ce que tu fais depuis le début. Hein. Ah ouais? Non? Je mets 40? C'est mettre 40, mais en tout, enfin sur le long terme. Ah, donc, ok. Parce que là je m'apprête à les faire tout de suite d'ailleurs. C'est comme une quête sur Call of.
Enfin, pousser pour débloquer les skins. C'est terminé. Qui va faire mieux? Mec, je peux utiliser la bombe, mais ça me tue. Non, tu peux pas l'utiliser, ça te le met juste pour te montrer que t'as ce passif, mais... Ok, hey, on roule bien. Il y a un combo avec ça. Log, c'est qui permet d'avoir deux images miroirs. Et si tu chopes la bombe dans les artefacts, là, tu peux... Tu peux tuer une image miroir à la fin. En fait, les images miroirs s'auto-détruisent à la fin. À la fin de ton tour. Et du coup, les bombes se déclenchent. Ah, et là j'en ai là. Ouais, bah regarde, tu peux le faire. Hein. Vas-y, fais-le un coup juste pour voir. Non, fais-le un coup pour voir, tu vois. Félicite un adversaire, copier un mercenaire qui l'attaque et meurt en fin de tour. Ouais. Donc là, mon bordel, c'est... il va faire 32 dégâts. En plus ouais, parce qu'il va activer la bombe. Tu te fous de ma gueule? Non, je t'ai... Non. Promis juré. Il est juré. Voilà. What the fuck? Mais c'est insane! Mec, pourquoi ils ont failli tuer mon débile là? Parce qu'il commence à faire mal, à force. Non, tu tauntes là, tu gagnes de l'HP là. Putain, là ils vont me casser la gueule là, oh! Casser la gueule là! Ah là je gagne un petit peu plus d'XP là! Allez, voilà! C'est le niveau 15 qui est intéressant avec tous tes persos. Tu gagnes le troisième sort. Résistance réduite de dégâts subis par vos personnages. En vrai, il n'y a que le troisième sort de Diablo qui est plus intéressant. En vrai, le reste. Chaque fois que ces mercenaires subissent des dégâts, gagnent plus d'attaques. Ah, ça mourut, ça va, il est sympa quand même au cas où s'il doit survivre un autre tour. Je fais quoi là? Résistance? Ouais, résistance pour ouais, devenir passif parce que t'as pas de. T'as rien d'autre pour les dégâts nature. Bah, surtout que là, il y a. Là, je vais la sortir maintenant. Ouais, résistance. Donc là, pour tuer Serena Plume Sang, je vais sortir mes deux rouges, c'est ça? Non. Et voilà. Attends, dis rien.